Coucou, bonsoir, bonjour, salut, merci, coucou, mes amis, ma famille, mes amours, mes compatriotes, mes consoeurs, mes frères, coucou l'Afrique, coucou Lomé. Je suis là bien. Coucou Mathieu Nyasigbe, merci pour le soutien que tu me portes. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Merci pour le cœur. Merci beaucoup. Perle Noire, merci. Coucou, salut. Jaguar le Bourgeois, merci pour le soutien. Merci pour tout. Merci. Je vous salue depuis Lomé, hein. Je suis toujours à Lomé. Ben, ce soir, j'aimerais bien me parler. Je me présente d'abord devant vous. Je me permets encore de me présenter encore devant vous parce que j'ai juste quelques détails à partager avec vous. Parce que vous savez qu'on tire vers la fin de l'année et il y a beaucoup de choses qu'on doit se dire et pour se libérer. Parce que souvent, lorsque on a le poids sur nous, tu dois devoir te décharger pour être libre dans ta peau et faire ce que tu aimerais bien faire parce que tu ne peux pas être sale et en train d'insulter ta soeur ou ton frère aussi qui est sale. Donc voilà, j'aimerais bien parler de ça et aussi clôturer avec les œuvres. Pourquoi est-ce que je suis ici à Lomé? Voilà, tout d'abord, je commence par à vous demander pardon parce que je suis un être humain, tout comme vous aussi. J'ai eu à offenser beaucoup du monde. Lorsque je dis beaucoup du monde, j'ai mal, je ne me sens pas bien dans ma peau en tant qu'un être humain. Je ne me sens pas capable de m'envoler parce que je me sens très lourd. Je commence d'abord avec les Togolais, mes frères et sœurs Togolais qui aiment bien Marie Larose, qui suivent Marie Larose depuis un bout de temps, un moment. Et il y a un moment où j'ai manqué de respect à mes sœurs et frères togolais. Je tiens vraiment à vous demander pardon parce que tout s'était passé cette année et je n'aimerais pas rentrer dans la nouvelle année avec ce poids qui pèse sur ma tête. Donc, je commence par chez moi, le Togolais. Je présente toutes mes excuses à tous ceux que j'ai une fois eu à offenser, à manquer de respect, à parler mal, à dire des mots déplacés. Vraiment, les Togolais, je vous demande pardon. Pardonnez-moi car il y a une langue qui dit chez nous « Evimu nyenami do atadina meyo sona ehekpanyon » Donc, tout simplement, ton enfant ne peut pas chier sur tes cuisses et tu vas couper tes cuisses avec des couteaux. Plutôt, on lave. Donc, vraiment, je tiens vraiment à présenter mes excuses à tous les Togolais que Marie Larose a une fois, pas mal intentionné ou pas l'intention de blesser ou de dexter. Dans mes dits, dans mes vidéos, dans mes directs, je tiens à présenter mes excuses. Voilà, la deuxième pays préféré que j'aime beaucoup, c'est le Cameroun. Vous savez, il se passe beaucoup de choses sur la toile.
Beaucoup de gens ne connaissent pas ma version, mais je pense que ce n'est plus la peine parce que dans mon cœur, j'ai pardonné et je demande pardon aussi à celles qui se sont offensées, intestées. Je présente mes excuses à tous les Camerounais en ce moment. Je le dis sincèrement. Ce message vient directement de mon cœur. Je ne blague pas. Je présente mes excuses aux Camerounais, aux Camerounaises, ceux qui pensent ou que j'ai eu à offenser dans mes dires, dans mes pensées, dans mes vidéos, mes directs et tout. Je tiens vraiment à présenter mes excuses à toute la population camerounaise parce que pour moi, c'est l'Afrique qui gagne et on est tous des Africains et on doit se pardonner. C'est main dans la main qu'on peut construire l'Afrique. Et aussi les Béninois, les Ivoiriens, c'est chez moi aussi. Je vous présente mes excuses. Le Bénin, d'abord je commence par le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Nigeria, le Niger, au Mali, au Sénégal, au Burkina. Y a tellement. Je veux dire partout, partout, pas seulement à l'Afrique de l'Ouest, où je présente mes excuses au fait du nord de l'Afrique au sud, de l'est à l'ouest de l'Afrique, et aussi aux Européens, parce que peut-être que j'ai eu à détester ou à faire du mal ou à parler du mal aux Européens, aux Américains, aux Asiatiques, partout dans le monde entier, parce que je me sens lourd. Pourquoi est-ce que je fais ce direct aujourd'hui? Parce que dans les jours à venir, je n'aurai pas le temps vraiment pour le faire compte tenu des œuvres. Pourquoi je suis ici à Lomé. Donc, ce soir, j'ai eu un peu de temps et j'aimerais vraiment, vraiment rester avec vous. Et si vous avez des questions, si vraiment, même les faux profils, si j'ai eu une fois à vous offenser, vous savez, derrière un faux profil se trouve peut-être un grand homme, on ne sait jamais. Et moi, à partir d'aujourd'hui, je vais plus considérer les faux profils parce que ceux-là, j'avais une fois dit, mais je ne reviens plus là-dessus, ce que j'ai dit auparavant, parce que désormais, Marie La Rose. N'est plus Marie, ne serait plus Marie la Rose d'hier parce que tout ce que j'ai eu à faire, tous les gens que j'ai eu à détester, à insulter, à clasher, j'ai rien eu dedans, plutôt sans en train de me reculer de jour en jour, sans en train de me noyer, sans en train de mettre la poisse là sur moi et. À partir d'aujourd'hui, au moment où je vous parle, je tiens à enlever cette poisse-là. Tous ceux, je dis bien tous ceux, retenez bien, que ça soit tout le monde sur la toile, que ça soit même les gens que je ne connais pas, mais que mes dires, mes paroles, mes directs, mes vidéos en huit français, je présente mes sincères. Excuse tout le monde entier, spécialement les Togolais qui pensent que je les ai manqués de respect, qui se sentent indestés dans mes dits, je vous présente mes excuses. Car vous savez que je suis votre sœur, je suis votre enfant, je suis votre fille, je suis votre tante, ou je suis votre cousine, pardonnez-moi, parce que vraiment, vraiment, je me sens coupable aujourd'hui. J'ai fait des choses qui se sont retournées contre moi aujourd'hui. Et aussi, j'ai ouvert mon cœur. Et aujourd'hui, j'ai ramassé ce qu'il ne fallait pas. Mais je pense que c'est le prix à payer
C'est le prix à payer et je pense que tout le monde va payer ce prix-là devant Dieu un jour. Qui suis-je pour juger quelqu'un? Je suis que Marie la Rose. Je suis tout comme vous, votre sœur, votre compatriote, je sais pas, votre enfant. Pardonnez-moi vraiment mes sincères pardons. Je présente mes excuses à tous les blogueurs, à tous les blogueuses sur la toile, même que j'ai eu à offenser. Vraiment, ça vient de mon cœur. Je présente mes excuses. Pardonnez-moi. Les mots me manquent. Vous savez, le français n'est pas trop ma langue. Mais je m'excuse. Je m'excuse parce que beaucoup de gens m'appellent. Non, tu dois t'exprimer ce qui se passe entre toi et ta sœur. Non, je ne dois pas m'exprimer. Je ne dois pas m'exprimer. Ok, tonton Jaguar, merci beaucoup. Je ne dois pas m'exprimer parce que lorsque deux feux se cognent, se croisent, ça devient pas possible. Donc, je pense que cette histoire entre moi et ma sœur, ça a commencé, si je vous dis que c'était du buzz, et si je vous dis que bon, c'est quelque chose qu'on a planifié, mais bon, dans ça, j'ai vu vraiment la réalité, surtout les Togolais qui me détestent ou les Togolais qui m'aiment bien. Mais vous savez, il y a beaucoup de surprises dans la vie que vous ne pouvez pas comprendre, mais ce n'est que le début. On a encaissé, on a partagé. On a beaucoup à faire. Donc, sur ce, restez avec moi. Aujourd'hui, j'ai été à l'église et comme je vous avais dit, je suis partie. On a fait demande de messe et par coïncidence, ce sont des enfants des chorales qui ont dirigé la messe et c'était vraiment merveilleux. Après la messe, j'ai eu à partager le repas avec eux, on a pris des photos et c'était bien. Notre plan, ce n'était pas pour faire quelque chose à l'église, mais si le Seigneur a permis que ce jour-là soit pour aussi les enfants de Sainte Rita, pourquoi pas? Et les enfants m'ont tellement aimé, on s'était bien amusé. Le temps m'a pas trop permis de rester beaucoup avec eux, mais c'était vraiment bien, c'était vraiment bien. Donc les programmes d'avant de cette semaine, demain, on quittera Lomé pour Palimé, pour les œuvres. On visitera un orphelinat qui tient, je pense, près de 300 enfants. Et on ira aussi voir les pédiatres, les nouveau-nés. On ira les saluer par ce que vous m'avez donné, d'aller leur donner. Vraiment, merci beaucoup. Et on va terminer ça le mardi soir. On commence demain, on terminera le mardi soir. Et le 22, qui sera le 22, c'est. Je pense que c'est vendredi. On ira aussi à Saint-Jean de Thiviers et donner aussi à manger aux malades, aux enfants qui sont là-bas, par la grâce de Dieu. Ou si Dieu veut bien et qu'on a la connexion, je vais vous faire les directs et vous-même vous verrez. Aujourd'hui à l'église, j'ai essayé de faire les directs pour vous montrer tout ce qu'on était en train de faire. Mais hélas, ma connexion ne m'a pas permise, donc je n'avais pas fait. J'avais commencé bien sûr, mais ça s'était arrêté. Donc voilà, pardon à tout le monde, pardon, t'as dit au monde entier. Oui, c'est moi, Marie la Rose. Je me mets même à genoux devant vous, à tous ceux que j'ai eu à offenser. Vraiment, pardonnez-moi. Je suis sincère. J'ai blessé beaucoup de gens. J'ai parlé mal. J'ai mal agi. Je présente mes excuses sincèrement. Parce que si je ne lave pas mon cœur ou si je ne me fais pas pardonner, je pense que le Seigneur ne va pas me pardonner car j'ai trop de péchés sur moi. Donc je demande pardon à toute l'Afrique.
Surtout, mes compatriotes togolais, si je vous ai offensé, je sais que j'ai fait des vidéos où j'ai fait allusion à beaucoup de Togolais selon mes marchandises et tout. Aujourd'hui, je me sens coupable parce que vous savez, lorsque tu ne sais pas ce que tu fais, tu fais et après tu te rends compte que vraiment ce que tu as fait n'était pas bien. Et aussi, ma soeur, celle que j'ai toujours appelée ma soeur sur la toile, aussi si jamais tout ce qui se passe sur la toile, si j'ai eu à t'offenser intentionnellement, vraiment que tu me pardonnes. Vraiment que tu me pardonnes. Que le Seigneur te garde. Que le Seigneur nous garde. Vive le Togo. Vive l'Afrique. Vive le monde entier. Voilà, c'était ce que je tenais à vous dire. Et je pense que j'aurais tout dit. Merci beaucoup à tous ceux qui ont suivi ce direct. J'ai plus de mots. Merci beaucoup. Merci. Je sais que au moins 2%, j'aurai pardon de 2% ce soir sur ma page. Merci beaucoup. Et Tata Sophie Darel, merci beaucoup pour ton soutien. Yves Togolais, vraiment merci. Jaguar le Bourgeois, Franck Ademassou, Abel Ochoco, mon manager, ma mère, mes soeurs, mon mari et aussi mon enfant. Parce que lui aussi, il n'aimait pas souvent ce que je faisais sur la toile. Merci. Merci. Tata Stella, merci pour tes soutiens. Merci beaucoup. Nadine, merci. Bien, c'est America. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Kelly. Kelly, merci. Merci beaucoup. Merci. Merci. Allez, bonne soirée. Et restons dans la prière avec moi parce que partout où j'irai, c'est avec voiture que j'irai donner ce que vous m'avez d'aller donner aux enfants. Donc que l'Afrique gagne. Allez, c'était moi, Marie Larose, la PDG Stétoise, la puissance mondiale. Allez, au revoir et à demain. Dormez bien. Bye bye. Merci.